Salut YouTube! Cette game va probablement popper dans tes suggestions. C'était une game à 100 000 dollars la partie. Je te laisse découvrir ce qui va se passer. Walking away with all the money, 150 players, one winner. How about American Maven? Yes! I have no freaking idea what is going to go down here, but the player that wins, your life has changed. The player that gets second, you will spend the evening crying. This is one of the more ludicrous things I've ever casted in my career. I cannot wait. J'imaginais il y avait un ennemi là, c'était fini. Allez les gars. Ça commence pas exactement comme j'aurais voulu. C'est les lois de la RNG les gars, c'est comme ça. De ravitaillement localisé. Allez la sécuriser. J'ai pas du tout de chance sur le loot. C'est ma quatrième. C'est le quatrième endroit où je rentre et y a rien. C'est pas grave. Il y a quelqu'un. S'il te plaît, le jeu, file-moi un trophy. S'il te plaît, le jeu, file-moi un système trophy. Je suis en train de faire une temporisation de zone. En restant bien excentré. Avec le minimum d'habitation autour pour que mon loadout tombe le plus près possible d'un bord de zone. Exactement comme ce camion qui lui est caché. Je pense que c'est un joueur... Pour qu'il joue comme ça, je pense que c'est un joueur intelligent.
Il va sûrement attendre que j'aille prendre mon loadout et après il ira le prendre lui. Ou l'inverse. Mais je pense pas que ce sera le style à camper le loadout ou quoi. Je vais le laisser. On va à la maison les gars. On va à la maison. J'ai pas de système trophy, ça craint. Mais j'ai pas le choix. Je vais faire un putain d'infarctus. J'ai 6 swaps juste une fois, j'ai pris une balle de snipe, frère. Maintenant, je dois prendre une putain d'autoréa. Ça, c'est pas marrant. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment pas drôle. What? Mec. Désolé frérot. T'aurais dû le savoir, Kigunin. L'hôpital, c'est ma maison. T'as l'enfer qu'il a dû, hein, il a dû vivre. Il a dû passer et me voir, se dire putain, les boules.
Les gars, il vient de se faire défoncer le mec qui est arrivé. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 véhicules qui viennent déjà de taper l'hôpital. Je dirais que actuellement l'hôpital, j'estime qu'il y avait 4 malins qui l'avaient deviné. Il y a les 9 véhicules qu'on tapait, ça fait 13-14. On est 3ème zone, ça commence à rota. Je pense qu'actuellement on est une vingtaine, 25 à l'hôpital. Allez les gars. Faut que je ferme le chat les gars. Vu que je me fais chier, je suis tenté de vous lire. Tac. Je vous ai réduit les gars, mais vous êtes dans mon cœur les gars. Vous êtes dans mon cœur. Là ça transpire, je vous le dis. Oh, j'ai pas de masque à gaz, je viens de tilter. J'ai un tilté que j'ai pas de masque à gaz. C'est un truc extrêmement utile pour ce genre de game. La tempo dans le gaz est quasi obligatoire à la fin. J'espère tuer quelqu'un ou en trouver un d'ici là. On va miser là-dessus. Putain, des games comme ça, il y en aurait une par semaine. Quel kiff les gars, quel kiff ce serait. Une fois par semaine, je manquerais de faire un arrêt cardiaque. Allez, 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 allez. On sait que c'est l'hôpital. On sait que c'est l'hôpital. On le sait, c'est pas Danton. C'est écrit. Allez. Celui qui est sur le top hôpital, il doit avoir envie de sucer son oncle, tellement il est heureux. Oh tiens, un camion. J'en avais pas vu jusqu'à présent. Le truc, c'est que je pense... Vous savez ce que je pense les gars? Je pense que tous les véhicules sont piégés actuellement par leurs propriétaires. Soixante-six personnes. Oh, je suis un animateur. Zone 5, 60 personnes. Allez, 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 fais pas ta garce, fais pas ta garce. Je te baise. Le mec qui a balancé le drone, il doit péter un plomb devant la zone. Je te dis que je vais pas y aller à celui-là. Ennemi déployé dans la zone des opérations. Là, il doit y avoir les mecs en parachute qui vont tomber. Il va sûrement y avoir 7-8 morts. Rapide. On va tomber à 50 fast, je pense. Après, il y a la rota qui va faire sortir tout le monde de Downtown. On peut en éliminer 10 de plus. Si je me fais pas push, je devrais me retrouver dans les 30 derniers. Voilà, regardez. Vous avez vu ce qui est tombé? Ce qui est tombé, c'est les mecs en parachute qui ont tenté leur loadout. Une fois que cette zone aura push ici, il restera 40 personnes. Max. 42. Et là, tout dépend de ce cercle, les gars. Ça pop au nord. Déplacement de la zone de sécurité. J'y vais.
25 derniers. Dans les 14 derniers. Je suis mort. Sheila just got smoked, I think. Oh. I believe? Who's alive? I don't know! Oh, he stunned his own! Oh, he stunned the ball! The pressure's on! Oh, no! Wait, it's a 1v1 after this! Wait. Hello? He's out. He's able to self. No help? What? The deep breath is in. Three remain. All right, one just hopped in the vehicle north. Oh, we're closing. It's it. No more gas mask. He's got stuns. He's got stuns. He could do this. He's got a thermite as well. He's got a thermite. Have C4.
Oh, it's in the truck! Oh my god, it's a zombie! He hits the stun. Oh my god. One versus one. Hits the stun! Shout for the win! He gets it! No way! He thermited himself! Il y a un mec au bouclier là qui est en train de rush avec sa stun. Mais c'est chaud. Frérot, il va gagner. Non, je sais pas. Je sais pas si c'est chaud, mais il s'est fait stun lui. Allez, chaud. Allez, chaud. C'est chaud qui a gagné. La vie de ma mère, il a gagné. Chaud, il a gagné, la game solo. Je mens. Oh wow. C'est qui le boss? C'est qui? Oui! 100 000 balles! La win! Ouais, chef. No way. Wow. Thank you, dude. Chow, the winner here. $100,000 with a freaking riot shield to take it all down. That was insanity. Had a self-res like at top five. I don't even know what's happening. And oh my gosh, Ton, for a second I thought you had actually called it. Stickinson was about to win. Oh my goodness, what a day! What a game! That was the least amount of action I've ever seen in a Warzone game, and the most intense Warzone game I've ever seen. Les gars, j'ai gagné. Je l'ai fait, les gars. Je l'ai fait. Je l'ai fait, les mecs. Je l'ai fait, putain. Je viens de faire. Je l'ai fait, les gars. Je viens de gagner une game à 100 000 $, messieurs. Je viens de gagner une putain de game à 100 000 $. C'est incroyable. Oh putain, j'ai gagné. Je me suis fait knock à la fin et sans masque à gaz, j'y suis arrivé. Juste au placement. C'était écrit. C'était écrit, les gars. C'était. Je vous l'ai dit, hein. Quand ça a fait que pop hôpital, je vous ai dit, c'est écrit. Pff, j'en peux plus. Oh l'émotion, les gars. L'émotion, le. Je vous ai dit, hein. Je vous ai dit que j'allais travailler le truc, que c'était le truc que j'attendais, que c'est quelque chose qui me tenait immensément à cœur et... Et on vient de battre le record de viewers, 54 000. Bon. Je suis l'animateur qui tue ton joueur pro préféré. C'est incroyable. Je suis trop heureux, les gars. C'est un truc de malade. C'est en train de... J'ai l'impression qu'il est en train de retomber là. Waouh! Premier champion du. Enfin, premier champion mondial, même si c'est européen pour les solos. Waouh! Je suis si heureux. Je voulais que le top 1, il n'y avait que ça qui m'intéressait. La game a si mal démarré. Je viens de gagner 100 000 $, les gars, sur une game.
putain. Waouh. Waouh. Ce moment, les gars, cette win, où un joueur bâton bouclier a gagné la fameuse game à 100 000. Ce moment, les gars, il est légendaire. On en parlera tout le temps sur Call of. On vient de créer la putain de légende, les gars. Par contre, quand je suis allé le tuer au shotgun, j'ai manqué de m'évanouir, les gars, je vous le dis. Alors déjà... Est-ce que l'un d'entre vous... Est-ce que l'un d'entre vous veut parler du mec qui m'a push au shotgun? Putain, je remets... Vas-y, là, vas-y, on va mettre là. Ah, il m'a push au shotgun, les gars, je me suis chié dessus. Genre j'en pouvais plus. Parce qu'il avait activé un silence de mort pour me push. Ces deux paras, ces deux paras étaient parfaites. C'est... Et ma belle. Et merci ma belle. Je regarde le replay et j'arrive, tu chiales. Ah mais... chiale. Putain. Je sais. Je vous mets le haut-parleur, les gars. C'est incroyable ce que t'as fait. Elle est tombée en larmes. Putain. Vas-y. Attends, je commente la fin de game et j'arrive. Oh, ok. Là déjà, la frappe, les gars, elle me bousille mes plaques. Là, il y avait le mec juste ici. Je décide de pas le rusher volontairement. Et là, les gars, à ce moment-là, c'était un moment si mal dans ma tête. Je me suis dit, il y a deux mecs aux fenêtres. Il y a deux mecs aux fenêtres ici. Il y a des gens au-dessus. Il y a un mec dans le camion. Il y a des mecs au rez-de-chaussée. Je me suis dit, ce move, c'est la fin, chaud. Mais je devais shield. Yeah, j'arrive à shield. Et je vous ai parlé d'un truc que j'avais remarqué. C'est, vous voyez les cercles? La zone rouge va jusqu'au cercle, mais pas vraiment. Elle s'arrête un mètre avant. Ce qui fait que même s'il n'y a que ce millimètre de bord de tente, c'est faux. Il y a toute la table qui logeait. J'ai de la chatte, personne rota derrière moi. Je vais vous mettre un peu plus de son. Ah, j'étais au bout de ma vie là. Tu sais quoi, je suis dans les 14 derniers. Vas-y, hop. Comme ça, je vais revoir ma gueule. Là, les gars, ce qui se passe, c'est que il y a ce véhicule qui vient de passer en... Oh, il y a des subs. Merci, les gars, merci. Et les gars, on se rapproche des 27 000. Allez vous faire enculer. Ah, c'est bon, je me suis ressaisi. Là. Ça va mieux. Putain, vous êtes les pires. Et juste, en fait, je vous explique. Là, vous voyez cette voiture qui est passée juste là? Elle avait un système trophy. Et... là, ma stratégie de jeu à partir de maintenant, d'ailleurs elle passe à travers ce termitalité dessus, c'était, je sais que le joueur est là, je sais qu'un autre joueur est là, je sais que là ça va bouchonner, là où c'est sûr qu'il n'y aura personne, c'est là où il n'y a pas de cover, donc à côté de ce van, ou en plein milieu. Du coup je me suis mis dedans. Mais il y a quand même un joueur qui s'est démerdé pour me casser les couilles, hein. Ce mec là dans le camion, il y a un gars qui va lui arriver dessus et pourtant qu'est-ce qu'il fait? Il me paralyse ce chien. Rad. Les gars, regardez, juste le fait de m'avoir paralysé, mais ça l'a fait spotted par le mec ici, et il s'est fait crucifier. C'est la situation dont je vous parlais d'un mec complètement con qui fasse un truc con et qui se fout en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la dernière plaque, regardez les gars, mais tout est parfait dans cette game, tout est parfait. La dernière plaque pile pour que j'ai re-trois plaques. Là, je vois le mec là, et là c'est le turn de la game les gars, là je vois la sacoche. Je vois le shotgun. J'ai même pas le temps de voir s'il y a des balles, les gars. J'ai même pas le temps de voir. Lui, je le vois sortir. Et là, c'est incroyable.
Là, je suis dans les 5 derniers, je suis dans les 5 meilleurs joueurs du monde. Enfin, du monde. Enfin, c'est les worlds, je veux dire monde, mais. Là, je vérifie, tu sais, je clean ça. Et là, il y a lui qui rota, je chie ma termite. Du coup, il y a le mec du haut qui me repère. Il me tombe dessus. Mais il y avait un autre gars juste à côté. L'autre gars qui s'est barré instant vu qu'il était en silence de mort. Là, les gars, il faut que ma vie elle remonte. Mais il faut que je puisse me shielder sans me faire tuer. Et en fait, là, il y a le mouvement. C'est impossible, je ne peux pas gagner. Je ne peux pas gagner. C'est complètement impossible, je le sais. Je le sais que je suis... Le mec qui est ici, c'est lui qui doit gagner. C'est lui qui va se faire push en dernier. Lui, il est dans le gaz. Et en fait, je meurs. Enfin, je gagne parce que lui, mais au lieu d'avancer avec la zone comme moi je faisais parce que j'avais pas de masque, lui, il avait un petit bout de masque, ce qui l'a fait temporiser plus et il s'est foutu à tousser dans le truc. Je vois la rotation. Et là, en fait, je me doutais pas qu'il était là. J'ai plus de shield. J'ai mort. Là, j'ai le choix. Soit je me shield, soit j'y vais. J'y vais. C'était quelque chose, les gars. C'était quelque chose. Je vois que les subs continuent de tomber à fond, les gars. Je vous remercie immensément. Vraiment, merci à tous ceux qui ont suivi. Merci à tous ceux qui ont donné de la force. Je le redis parce que ça a compté beaucoup. C'est le fait d'avoir une armée derrière soi qui croit en toi à fond comme ça. Tout peut se passer, les gars. Tout peut se passer. J'étais invité comme animateur, les gars. Je repars en champion. Quoi dire d'autre? Les ultras, je vous remercie d'avoir été là du fond du cœur. Je vous remercie à tous pour ce live qui était fort en émotion. Demain matin, je suis avec le grand JD à 11h. Donc sûrement que j'arriverai vers 10h30 ou quoi, tu vois. Un truc comme ça. En tout cas, les ultras, je vous embrasse. Merci à vous tous d'avoir été là. Et on a gagné. On a gagné. Je pars des étoiles plein les yeux. Je vous remercie du fond du cœur pour ce qu'on a vécu aujourd'hui.